Hallo, mein Name ist Mario, ich komme aus Wels in Bonjour, je m'appelle Oberösterreich Mario, je und viens wollte d'Autriche gerne et je wissen, wie voudrais la savoir si dans un avenir Zukunft ist, proche, on prévoit eine l'instauration d'une gemeinsame carte d'identité Identitätskarte commune pour für tous les alle citoyens Bürger d'Europe. Europas Merci pour votre einführt. réponse. Ich bitte um eine Antwort. Vielen Dank. Alors, une carte d'identité est un document officiel délivré par les autorités d'un pays permettant de prouver son identité et sa nationalité. Cela est parfois nécessaire dans les relations avec les administrations ou même entre particuliers pour certifier une transaction, un chèque par exemple. Dans l'Union, la libre circulation des personnes et la multiplication des relations commerciales à travers les États incitent à doter les ressortissants européens d'un document permettant de garantir de manière fiable, simple et envers tous son identité physique mais aussi virtuelle sur Internet. Le projet de créer une carte européenne d'identité a été abandonné au début des années 2000, se heurtant à quelques difficultés techniques, administratives et politiques. À la place, a été élaboré en mai 2008 le projet expérimental Stork. Fondé sur le volontariat des États, ce projet ne vise pas à créer un document unique d'identité, mais à intégrer dans les cartes nationales d'identité des éléments électroniques communs permettant d'utiliser ces identifiants dans tous les États membres partenaires, à savoir 18 aujourd'hui, ce que l'on appelle l'interopérabilité. Ce projet a été relancé en juin 2012 et étendu aux entreprises dans leurs relations avec les administrations. Il intègre désormais une signature électronique sécurisée permettant d'authentifier une transaction en ligne. Cette expérimentation pourrait déboucher à terme sur une carte d'identité européenne commune à tous les Européens et s'ajoutant ou remplaçant les documents nationaux d'identification. En attendant, la politique est plutôt d'harmoniser les cartes nationales d'identité pour permettre leur utilisation physique ou virtuelle dans tous les États membres. Plus facile à mettre en œuvre, cette procédure laisse peut-être échapper une occasion de développer concrètement un sentiment d'identité européenne. Si vous souhaitez vous aussi poser une question, rendez-vous sur notre site internet.